Well, I think that I played better than the other girls today, the ones that were in the lead. I didn't crack under pressure, I guess. And yeah, I just played a lot better today compared to yesterday. I reckon my ability to stay calm is pretty good. I don't really get angry on course. Je dirais qu'hier c'était mieux, mais aujourd'hui c'était quand même vraiment bien, là. Hier, je menais par 6 coups. Puis aujourd'hui, ben la deuxième, elle a rattrapé un coup sur moi. Mais sinon, oui, parce que ça fait quand même 2 ans que je fais des tournois, puis j'ai jamais réussi à arriver première. Fait qu'aujourd'hui, ça m'a vraiment fait plaisir de savoir que c'était comme vraiment un tournoi genre difficile avec des personnes très fortes, puis que j'ai réussi à gagner. Ben, c'est le stress, ça me dérange pas vraiment. C'est plus mon swing à la fin, c'était vraiment, c'était moins bien. Même si tu joues vraiment mal, si tu finis ton parcours, ben, tu es ton propre champion. Ouais, mais il y a une fois que j'étais vraiment fatiguée et que j'avais mal aux pieds, mais après j'étais correcte, là. Ben, j'étais vraiment confiante, là. Il y a juste un trou que le juge m'avait dit de pêcher. Fait que là, j'étais toute rushée et j'avais pas bien joué ce trou-là. Je suis venue ici pour l'expérience en savant que j'allais pas gagner. Ouais, j'ai très bien joué, puis à la fin, je commençais à vraiment bien faire mes coups de fer. J'étais vraiment content. Ça a vraiment été serré au début. Le premier neuf, c'était vraiment serré avec William. J'avais joué 42, puis 41 le premier neuf, puis lui, il avait joué 42. I was 3 under after 12, but I kind of let loose and started playing worse, but I held it together. I just thought about my next shot, and if I had a bad one, I would forget about it. Ouais, hier, j'étais pas trop satisfaite, je m'attendais à mieux, mais je l'ai pris. Là, aujourd'hui, j'étais confiant pour jouer une bonne ronde. Je suis bien parti, puis ça a déraillé. À partir du comme 4-5e trou, ça a moins bien été jusqu'à la fin, mais j'ai appris beaucoup aujourd'hui. Dans mes tournois, c'est souvent comme ça, pour la dire, mais quand même, je sais pas, j'avais combien de coups d'avance. Mais j'étais confiant pour aujourd'hui. Je pense que j'avais 4 coups, mais l'autre avec qui je jouais, le deuxième, il a moins bien joué aussi. Je suis parti un coup derrière le meneur ce matin, puis j'ai réussi à remonter l'écart. Je dirais que j'aime mieux être un peu plus loin du meneur que d'être le meneur quand ça vient d'être la dernière ronde. Je sens que j'ai une pression de moins, puis je pense que c'est ce qui me motive à rester dans ma game, puis de rester, genre, garder mes émotions, garder de bonnes émotions. Avant de commencer l'année, je pensais pas avoir mon jeu, je pensais pas qu'il allait être aussi bon, mais j'ai eu des performances plus récentes dans l'année qui m'ont vraiment fait voir mon potentiel pour la saison. J'ai joué comme au Next Gen Ontario, j'ai joué 2 rondes under par. J'ai remporté aussi un CGGA à Hawkesbury il y a 2 semaines. Donc, j'ai très bien joué en fin de semaine, mais je pense que j'aurais pu encore mieux jouer puis éviter quelques erreurs.